Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti a questo incontro, a questa conferenza del professor Antoine Compagnon, che viene dal Collège de France di Parigi, con il quale la nostra università ha un accordo di cui ci parla il nostro responsabile, il professor Stringari. Prego. Benissimo. Scusa, hai detto Collège de France d'Italie. Di Parigi, sì. No, d'Italia, perché qui siamo, l'antenna italiana. L'antenna italiana. Bene, buon pomeriggio a tutti. Allora, io sono il coordinatore responsabile scientifico di questo accordo tra l'Università di Trento e il Collège de France. E volevo brevissimamente illustrare cos'è questo accordo. Questo accordo prevede una cattedra d'accoglienza, come vedete anche qui nell'immagine, che significa che l'Università di Trento ospita ogni anno da 2 a 3 docenti del Collège de France per un periodo più o meno breve, i quali possono all'estero, in università con cui ci sono dei contatti, delle collaborazioni, possono svolgere parte della loro attività di insegnamento, presentando quindi una serie di lezioni e di conferenze sui loro temi di ricerca. Questo accordo è nato 8 anni fa e ha avuto un notevole successo e attualmente è considerato anche da parte del Collège de France l'accordo che ha avuto più successo tra tutti gli accordi che il Collège ha in giro per il mondo. Abbiamo avuto fino adesso 18 professori del Collège de France che sono venuti a Trento a svolgere queste attività di insegnamento e di contatto con i nostri colleghi e con i nostri gruppi di ricerca e soprattutto rivolgendo le loro lezioni agli studenti di dottorato interessati agli argomenti. Il numero 18 è un numero molto impegnativo perché il Collège de France ha un organico di professori e circa di 45-50 professori. Quindi questo vuol dire che un terzo dei professori del Collège de France hanno raccolto questa opportunità e sono venuti a Trento e questo è importante anche per noi perché dà la possibilità alla nostra università di farsi conoscere in un ambiente, un circuito intellettuale di grande valore a livello internazionale e mondiale. Le discipline sono piuttosto variegate, quindi non sono tutti di lettere, io per esempio sono fisico, e gli accordi non prevedono discipline specifiche, prevedono visite da parte di docenti che hanno dei contatti con qualche docente dell'Università di Trento e che desiderano venire qui a trascorrere alcuni giorni o in certi casi anche periodi più lunghi. Io volevo citare i nomi dei professori che sono già venuti dell'area del Dipartimento di Lettere, che devo dire è il più attivo in Ateneo nello stimolare questi accordi. Questo fa piacere essere qui, perché non tutti i dipartimenti dell'Università di Trento hanno questi contatti, il Dipartimento di Lettere si distingue. E noi abbiamo iniziato nel 2011 col professor John Shedd, che è un archeologo, poi abbiamo avuto il professor Zenk, letterature della Francia medievale, il professor Ossola, che è stato fino adesso l'unico docente permanente del Collège de France di nazionalità italiana. Non è vero. Adesso ne è arrivato uno nuovo. Adesso, esattamente. Dario Mantovani. Esattamente, infatti ho detto fino all'anno scorso, perché proprio quest'anno l'ultimo acquisto del Collège de France è il professor Mantovani, che è esperto di diritto. Ed è interessante per noi, anche perché lui, Mantovani, ha fatto l'inizio della carriera, forse non lo sa, l'inizio della carriera l'ha fatta all'Università di Trento, quando era assegnista di ricerca alla Facoltà di Giurisprudenza. E poi abbiamo avuto il professor Jean Vallon, che
sulla storia moderna e contemporanea della politica, e il professor Brun, che è un altro archeologo esperto delle zone di Pompei, e poi abbiamo avuto il professor Chartier, delle scritti e culture dell'Europa moderna, poi il professor Chupion, con lo stato sociale e della mondializzazione. Questi sono docenti che sono un po' a cavallo dell'area di lettere, l'area di sociologia e di politica, di scienze politiche. Poi abbiamo avuto la professoressa Vinciane Pirenne del Forge, che è esperta di religione, storia e società nel mondo greco antico. E infine l'ultimo della serie che completa quest'anno accademico è il professor Compagnon, di cui sentirete parlare adesso la professor Tomassia come introduzione, poi farà le due o tre lezioni qui a Trento. Volevo anche dire che l'accordo tra Trento e il Collège de France prevede anche un percorso reciproco riservato a giovani studenti di dottorato o assegnisti di ricerca che possono, grazie a questo accordo, trascorrere da un mese a tre mesi presso il Collège de France e sono spesati per questa loro trasferta in maniera combinata dall'Università di Trento e l'Università e il Collège de France. Quindi è un accordo che funziona e speriamo che continui anche negli anni futuri. Abbiamo avuto 8 anni di esperienza e adesso quest'anno l'accordo sarà rinnovato per altri 4 anni. E quindi già abbiamo i primi accordi per i prossimi 2 visitatori dell'anno prossimo e poi continueremo ancora in futuro. Bene, grazie. Bene, ho il piacere e l'onore di presentarvi il professor Antoine Compagnon, che in realtà nella sostanza dei fatti non ha alcun bisogno di presentazioni. Possiamo tranquillamente dire che siamo di fronte a uno dei maggiori, più grandi critici e teorici della letteratura odierni e quindi tutti noi lo conosciamo molto bene. Voglio solo ricordare, soprattutto ai più giovani, non tutto il suo percorso, perché sarebbe realmente impossibile riassumerlo e non voglio togliere tempo alla sua conferenza, solo alcune tappe. Quella, come dire, da cui comincia il professor Antoine Compagnon, nasce ingegnere dell'École Polytechnique e, come dire, è un fatto abbastanza, quindi è un inizio abbastanza paradossale, perché appunto nel seguito si è consacrato interamente all'etere. È vero che mentre frequentava l'École Polytechnique frequentava parallelamente i corsi del Collège de France, dove anni dopo sarebbe ritornato, come dire, dall'altra parte della cattedra. È stato professore ed è professore alla Columbia University, è stato professore alla Paris 4, la Vieille Sorbonne, e per essere poi eletto al Collège de France en 2005. E, come dire, forse nessun luogo può essere più consono all'insegnamento del professor Compagnon quanto il Collège de France, questa istituzione prestigiosissima fondata da Francesco I nel 1530 per dare luogo all'insegnamento di discipline che non erano contemplate nell'università. Questo per dire che il Collège de France ha sempre avuto una vocazione estrema nel coniugare la ricerca e l'insegnamento, e la ricerca più avanzata possibile. Ci sono le cattedre del Collège de France che, come dire,
possono cambiare di nome, di intitolato, a seconda del movimento del sapere nel presente. Proprio questo avanzamento della ricerca, sempre come dire, più avanti, mai come dire, dimenticando l'importanza fondamentale del passato. E qui, come dire, tutto lo studio del professor Compagnon, che dal Rinascimento con Michel de Montaigne fino alla contemporaneità, ecco, è in mezzo, come dire, ricorderei un suo libro notissimo, Le Deux Mondes de la Théorie, in cui ha fatto in qualche modo non solo un bilancio, ma una presa di posizione rispetto ai 20 anni in cui in Francia ha dominato il formalismo, il testualismo più chiuso, cioè che è diventato, che è giunto ad essere, come dire, in qualche modo talmente autoreferenziale da escludere totalmente il mondo. Ecco, invece, come dire, lo studio del professor Compagnon è totalmente diverso e in qualche modo può essere, non dico riassunto, ma può vedere i tre assi della sua ricerca nel titolo della sua cattedra, letteratura francese moderna e contemporanea, storia, critica, teoria. Quindi teoria perché è mai dimenticato, come dire, il funzionamento, il meccanismo interno della letteratura, ma mai dimenticata la storia, cioè il rapporto della letteratura non solo con se stessa, ma con l'altro, con gli altri. E critica invece è, come dire, quella per cui la letteratura viene sempre riportata in una sorta di rapporto con il mondo, con il presente, una presa di posizione, perché la letteratura anche in momenti, e questo ce l'ha ricordato, anzi ce l'ha detto elaborando, come dire, non una nuova visione, ma una rinnovata modalità di vedere la letteratura nel momento della sua lezione inaugurale al Collège de France, la necessità che si ha ancora della letteratura, anche in un momento storico in cui tutto altri saperi sembrerebbero sovrapporsi a lei, o anche addirittura delle prese politiche tenderebbero a svalorizzarla, mentre invece la letteratura aiuta a comprendere, a sentire, a costituirsi come soggettività e mantiene ancora un forte potenziale di emancipazione. Ma mi sembra di aver parlato già troppo e, come dire, sarebbe inutile ricordare o fare la lista di tutte le numerosissime opere di Antoine Compagnon, mentre invece gli cedo subito e volentieri la parola. Grazie. Bonjour et je vais vous parler en français. J'espère que ça ne va pas vous déconcerter. Alors, je suis très heureux d'être ici parce que cette série de conférences était prévue pour l'an dernier et le jour où je devais venir, il y a exactement un an, il y a eu une grève d'Air France. Air France est souvent en grève et je n'ai pas eu d'avion pour venir jusqu'ici. Bon, je suis heureux aussi parce que en bavardant avec mon collègue, Paolo Tamassi, je me suis aperçu que je n'étais pas venu à 30 depuis plus de 20 ans, puisqu'il n'était pas là la dernière fois que je suis venu donner une conférence en cette université. Ce n'était donc pas dans ce beau bâtiment, mais je ne sais pas très bien où c'était. J'ai oublié, mais c'est il y a plus de 20 ans. Puis je suis heureux parce que nous avons cet accord entre l'université et le Collège de France. Et il se trouve que dans notre dernière assemblée des professeurs, les assemblées des professeurs du Collège de France ont lieu le dimanche, trois fois par an. Et le dimanche, depuis l'Ancien Régime, sous l'Ancien Régime, ça commençait par une messe. Depuis la Révolution française, ça ne commence plus par une messe, mais c'est toujours le dimanche. Et notre dernière assemblée, qui était il y a une semaine, parce que c'était le dernier dimanche de mars, le dernier dimanche de juin, le dernier dimanche de novembre, on a approuvé, les professeurs ont approuvé la convention qui nous lie à l'université de 30. Et plusieurs professeurs ont évoqué leur visite ici.
souligner que cette convention devait se poursuivre et qu'ils avaient été heureux de venir ici. Donc beaucoup de raisons d'être heureux. Alors le titre que j'ai donné pour cette première exposé, puisqu'il y en a trois, hein, deux demain, un aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas d'image. Hein. De temps en temps, il faut essayer de faire encore une conférence sans PowerPoint, parce que nous sommes tellement dépendants de PowerPoint, hein, des présentations, des diapositives, que de temps en temps, je me dis, j'essaye de faire une conférence sans image pour voir si j'en suis encore capable, si la technique ne m'a pas complètement rendu handicapé. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'image. Et pourtant, le titre, non, il n'est pas là, mais vous l'avez entendu, c'est « La littérature, accélérateur d'innovation ». Et ce sont donc aux relations de la littérature et de l'innovation que ça, ces rapports que je voudrais m'intéresser, rapports qui ne sont peut-être pas faciles et qui nous interrogent sur la place de la littérature dans le monde moderne, dans notre monde moderne, dans ce monde du 21e siècle. Alors moi, je suis proche de la retraite, mais vous, certains d'entre vous qui sont ici sont encore jeunes. Et donc, c'est un sujet pour vous que celui-là, hein, que ce rapport de la littérature et du monde moderne. Et j'ai choisi un titre qui est volontairement provocant, un peu iconoclaste, qui devrait vous choquer, en ajoutant dans ce titre le mot d'innovation. Peut-on parler de littérature et d'innovation, hein? C'est un terme qui est employé en français, en anglais, en italien, j'imagine, aussi, beaucoup, qui appartient au monde de la technique, au monde de l'économie de la croissance. Pas de croissance sans innovation, nous répétons toujours. Et d'une certaine façon, c'est une notion, un mot qui jure avec celui de littérature. Littérature et innovation, je voudrais vous faire sentir qu'on est dans deux mondes qui se choquent, hein, qui se choquent un peu comme ce qu'on appelle cette figure de rhétorique qui est l'oxymore, hein, l'innovation. Il y a quelque chose d'oxymorique dans ce rapprochement que je tente, et je crois que j'accentue encore ce choc en parlant d'accélérateur. On voudrait des accélérateurs d'innovation dans le monde contemporain, parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un monde de croissance lente. Et le résultat de la croissance lente, eh bien, c'est l'appauvrissement. C'est l'absence d'augmentation des salaires et de la richesse. Alors, est-ce que la littérature a à voir avec l'innovation et est-ce qu'elle a à voir avec l'accélération? Ce sont donc tous des termes qui viennent de l'entreprise, de l'économie, de la microéconomie et de la macroéconomie. J'ai un collègue au Collège de France, je crois qu'il n'est pas encore venu, Philippe Aguillon, économiste dont le titre de chaire, je l'improvise, mais je crois que c'est économie et innovation, quelque chose comme cela, hein, le titre de sa chaire au Collège de France. Et c'est lui qui est l'un des proches conseillers de l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, que certains n'aiment pas trop en Italie, mais je sais, mais bon. C'est son conseiller, mais c'est un conseiller qui est d'ailleurs un peu en délicatesse avec lui. C'est donc un terme de l'entreprise lié à, aujourd'hui, beaucoup à cette notion qui est très importante aujourd'hui de ce qu'on appelle la destruction créatrice. Pour créer, il faut détruire. C'est un terme qui vient de l'économiste Schumpeter, très actuel aujourd'hui pour décrire notre monde où on ne peut innover qu'en détruisant.
On ne peut innover qu'en détruisant. Et nous sommes dans un monde où, pour ainsi dire, si tu n'innoves pas, tu meurs. Hein? Aussi bien dans les produits, dans la fabrication, dans ce qu'on appelle les ressources humaines, dans une entreprise. Et notre monde est tapissé de noms de ceux qui n'ont pas innové et qui sont morts. Alors on cite Nokia. Il y a un certain temps, nous avions tous des téléphones Nokia dans nos poches. Voilà une entreprise qui n'a pas su innover et qui a été marginalisée. BlackBerry, Yahoo. Il y a 25 ans, on ne jurait que par ces mots-là. Quand j'étais aux États-Unis, ils n'ont pas innové, ils sont morts. Ou à peu près. Hein? Ou à peu près. Ils sont devenus des dinosaures, le cimetière des marques. Et puis vous savez qu'on nous parle tout le temps maintenant d'obsolescence programmée. Non seulement si tu n'innoves pas, tu meurs, mais je ne sais pas comment on traduit l'obsolescence programmée en italien. Obsolescence programmata. Ah bon, voilà. Bon. Alors donc, c'est très facile, l'obsolescence programmée. Tout est en obsolescence programmée. Tous les produits avec lesquels je me promène dans mes poches sont en train de mourir. Ils sont morts déjà parce qu'ils ont des piles au lithium, des batteries au lithium qui sont faites pour s'éteindre très vite, pour que je rachète la nouvelle génération des produits. Il y a une chaire du Collège de France, parce que vous ne savez pas très bien ce que c'est le Collège de France, mais on vous a dit que c'est entre 45 et 50 chaires qui représentent toutes les disciplines. Donc il y a une chaire d'un chimiste qui travaille sur les batteries au lithium. C'est l'un des secteurs des recherches les plus importants. Nous sommes donc dans un monde où nous sommes condamnés à innover à un rythme accéléré, au fond, depuis notre entrée dans le monde numérique, il y a une quarantaine d'années. Dans les années 80, au début des années 80, on s'était préparé, mais c'est à ce moment-là que la bascule a eu lieu. Et cette condamnation à l'innovation, elle est accélérée aussi par ce qu'on appelle la mondialisation, ce qu'on appelle parfois, pour le condamner, le libéralisme radical, le néolibéralisme. Et il y a un mot d'ordre qui est « il faut s'adapter ». Il y a un livre qui vient d'être publié en français par une politiste qui a, je crois, ce titre « il faut s'adapter ». Très intéressant comme mot d'ordre qui nous renvoie à, c'est ce que ce livre analyse, je ne l'ai pas lu parce qu'il vient d'être publié, mais j'ai vu son titre, je crois que la thèse du livre est assez simple, elle est pour dire que nous sommes dans un monde de néo-darwinisme à tous les points de vue, où l'adaptation dans tous les secteurs de l'activité est le mot d'ordre constant. Il faut s'adapter, il faut évoluer, il faut réformer. Alors bien sûr, on peut dire on est dans ce monde-là depuis 40 ans, mais c'est plus ancien. C'est lié à, et pour ceux qui connaissent un peu le 19e siècle, c'est lié à la révolution industrielle. Apparaissent déjà avec la révolution industrielle les rudiments de cette condamnation à l'innovation. On pense à Baudelaire. Autour de 1848, de ce modèle de ce que Baudelaire appelle la modernité, qui est lié à la mode qui a envahi l'art, hein, cette idée que il faut que ce soit toujours nouveau. Hein, c'est quelque chose qui apparaît avec la révolution industrielle. Cette idée de mode qui envahit par exemple l'art, l'idée que l'art devient indistinct de la mode, et il y a un culte, un impératif catégorique du nouveau qui s'impose peu à peu depuis le 19e siècle comme, je dirais, définition de l'activité humaine.
alors que on peut dire que jusque-là, et société et littérature étaient pour beaucoup fondées sur la routine, la reproduction de la tradition. Hein. Et pendant très longtemps, peut-être pas tout à fait aujourd'hui, par exemple, on pouvait mal imaginer une campagne politique qui aurait pour mot d'ordre que rien ne change. Alors je sais que dans ce contexte, on cite souvent en français la phrase de Lampedusa dans le Il Gattopardo, hein, il faut que tout change pour que rien ne change, hein, que je suis allé voir tout à l'heure dans l'original italien. Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi. Donc même si le mot d'ordre n'est pas il faut que rien ne change, c'est souvent ce qui est l'intention souterraine. Bon, il y a donc un modèle qui vient des arts et métiers, ce qu'on appelait les arts et métiers au XIXe siècle. Les arts et métiers, c'est-à-dire les arts au sens latin. Hein. Et ce modèle s'est en effet peu à peu déplacé des arts et métiers vers les beaux-arts et belles-lettres. Hein. Mais c'est un modèle qui vient des sciences et de la technique qui a entraîné dans le mouvement Beaux-Arts et Belles-Lettres. Et c'est un modèle qui, je dirais, est en effet exacerbé par le numérique et la mondialisation aujourd'hui. Alors, où en est la littérature dans tout cela? Quelle est la place de la littérature, de sa survie, de son adaptation? Est-ce que ce modèle, il faut s'adapter, ce modèle que je disais darwinien ou néo-darwinien, s'impose toujours? Ben, je disais, dans les Beaux-Arts et les Belles-Lettres, très longtemps, la règle, c'était l'imitation, bien plutôt que l'innovation, si l'on oppose ces deux concepts. Souvenons-nous de la querelle des anciens et des modernes, hein, avec les partisans de l'imitation, et avec, chaque fois qu'on dit, souvenons-nous de la querelle des partisans et des modernes, il y avait des partisans de l'imitation, et il y avait des partisans de l'adaptation, justement. Ben, tout de suite, ça nous renvoie à une curiosité, à un paradoxe. De qui se souvient-on aujourd'hui ? On se souvient des anciens. On se souvient de ceux qui étaient partisans de l'imitation plus que de ceux qui étaient partisans de l'adaptation. La Fontaine, Racine, Molière. On se souvient des partisans de l'imitation versus les partisans de l'adaptation, de la querelle des anciens et des modernes. Et puis, l'imitation fait couple au XIXe siècle avec la notion d'originalité, notion moderne, notion romantique, hein, que je décrivais justement à partir d'auteurs comme Baudelaire. L'axiome même du moderne, c'était Ezra Pound qui l'avait défini sous la forme « make it new ».« Make it new », axiome moderne par excellence. Mais est-ce que je peux dire que originalité et innovation, c'est la même chose? Originalité, innovation. J'ai employé le mot d'innovation, un peu par provocation. Est-ce que je peux dire que c'est la même chose que l'originalité? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que très longtemps, il a été considéré que l'originalité, c'était une variation dans l'imitation. Ce qui faisait l'originalité, c'était la variation dans l'imitation. Pendant très très longtemps, je dirais même presque jusqu'au début du XXe siècle, le sociologue Tard, il a été professeur au Collège de France, mais ce n'est pas pour ça que je le cite, hein. Tard, c'est le théoricien de l'imitation sociale au début du XXe siècle. Hein. Son apport à la sociologie, c'est la notion d'imitation. Notion de très grande fortune,
Après tout, c'est encore celle de René Girard, dans son désir mimétique, hein, la notion d'imitation. On ne désire que par imitation. Tard avait l'idée que, au début du XXe siècle, que c'était une petite chose qui faisait bouger le socle de l'imitation. Autrement dit, que l'originalité, c'est une petite variation qui fait bouger le socle. Alors que les modernes, pour eux, ils sont des partisans de la rupture, hein, de la véritable invention qui casse, qui en finit avec quelque chose. Donc il y a vraiment deux notions à distinguer, hein, celle de l'originalité comme variation et celle de l'originalité comme rupture, hein, qui est, elle, moderne. Pendant très longtemps, on a pu considérer, et certainement il y a encore des hommes et des femmes qui considèrent, que le génie ou le talent, c'est une nouvelle combinatoire d'éléments vieux comme le monde. Le talent, c'est recombiner des éléments vieux comme le monde. Si vous pensez à ce que font les séries à la télévision, on pourrait dire que c'est une conception très traditionnelle de la nouveauté. Quand on pense aux scénarios de films qui sont produits aujourd'hui par l'intelligence artificielle, que fait l'intelligence artificielle ? Eh bien, elle recombine des topoi, des cellules thématiques et narratives. Et elle produit un nouveau scénario pour faire de l'argent. Donc il y a bien une notion d'originalité comme combinaison originale d'éléments anciens. L'invention est une imitation originale. Et puis il y a cette notion de nouveauté qui est proprement moderne. Et je cite Paul Hazard. Excusez-moi, ben lui aussi, il a été professeur au Collège de France, je n'ai pas fait exprès. Paul Hazard est l'auteur d'un grand livre qui s'appelle « La crise de la conscience européenne », hein, publié en 1935, si mes souvenirs sont bons. « Crise de la conscience européenne » sur la naissance, au fond, de la modernité européenne à la frontière du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et il dit « une superstition naquit dont nous ne sommes pas débarrassés ». Une superstition naquit dont nous ne sommes pas débarrassés. Cette superstition, c'est la superstition, à ses yeux, du nouveau. Foi du nouveau. Bien avant le « make it new » d'Ezra Pound. Et Paul Hazard, l'historien, cite Paul Valéry, qui a aussi été professeur au Collège de France, d'ailleurs, et le poète, hein, le grand poète. Et Paul Valéry disait, c'est l'un de ceux qui a bien formulé ce nouveau modèle du nouveau, le nouveau, qui est cependant périssable par essence, et c'est très baudelairien, le nouveau qui se mord la queue, il faut toujours avancer. Le nouveau qui est périssable par essence est pour nous une qualité si éminente que son absence nous corrompt toutes les autres. S'il n'y a pas de nouveau, eh bien, ça ne vaut rien. C'est corrompu. Hein? Son absence, l'absence de nouveau, corrompt toutes les autres qualités, rend toutes les autres qualités d'un objet esthétique, littéraire, plastique, ben ça rend toutes les qualités non pertinentes. S'il n'y a pas le nouveau, le reste n'est pas pertinent. Et il ajoute, et que sa présence les remplace. Alors le risque, c'est que s'il y a du nouveau, il n'y a pas besoin des autres qualités. Vous voyez ?
S'il n'y a pas de nouveau, les autres qualités sont non pertinentes. S'il y a du nouveau, eh bien, on peut se passer des autres qualités. Sa présence les remplace. À peine de nullité, de mépris et d'ennui, nous nous contraignons d'être toujours plus avancés dans les arts, dans les mœurs, dans la politique et dans les idées, et nous sommes formés à ne plus priser que l'étonnement et l'effet instantané de choc. Mais nous sommes amenés à ne plus respecter que l'étonnement et le choc. Fut-il très éphémère, ce choc du nouveau, puisqu'il est immédiatement remplacé par autre chose. Et dans ce que Valérie dit ici, c'est au lendemain de la Première Guerre mondiale que Valérie s'exprime. On reconnaît Baudelaire, l'esthétique du choc baudelairien, et Baudelaire traduisait Edgar Allan Poe. Et c'était la notion en anglais de wonder. C'est pourquoi il parle d'étonnement. Wonder, ben le wonder avec Edgar Poe devient la valeur centrale. Si elle n'est pas là, ça ne vaut rien. Et si elle est là, eh bien, ça peut suffire. Ça suffit. À la place de toutes les autres. Donc il y a une grande. Une esthétique de l'étonnement, du choc, et l'idée que l'art du passé meurt sur le modèle de la mode. Une mode de l'an passé, ce n'est plus une mode, c'est ringard, hein, ça ne vaut plus rien. Et bien, en art, c'est un peu la même chose. Alors, sans doute est-il important de distinguer, là, je crois que c'est très important, de distinguer une nouveauté éphémère, hein, comme disait Valérie, à l'effet instantané, la nouveauté éphémère, temporaire, instantanée, hein, comme disait Valérie, qui est emportée par le flux des modes, par la clientèle qui veut autre chose, par l'obsolescence programmée, d'une nouveauté qu'on peut appeler vraiment radicale. D'un côté, il y a des nouveautés éphémères, de l'autre côté, il y a des nouveautés radicales. Des nouveautés radicales, ça veut dire qu'elles entrent dans un mouvement durable. Je pense par exemple à Michel Foucault, ici, comme Paul Hazard, qui parlait de la crise de la conscience européenne. Il y a une crise, il y a une crise, et puis ça instaure la crise, une nouvelle époque. Hein? Michel Foucault parlait, lui, d'épistémé. Hein? L'historien des sciences Kuhn parlait de paradigme. Ben, les modes, on en change tous les ans, mais les paradigmes ou les épistémés, on en change tous les deux ou trois siècles. Vous voyez ? Ce n'est pas du même ordre de temporalité. Foucault parlait de nouveaux univers de discursivité. Chaque année, il y a de nouveaux discours, mais il y a rarement de nouvelles discursivités qui s'ouvrent comme des époques, des inventions qui font vraiment date. Et ensuite, une fois qu'une invention a fait date, eh bien, dans le cadre de cette invention qui fait date, il y a des renouvellements progressifs. Une fois que l'invention est instaurée, on peut renouveler dans le cadre de cette invention. Ces inventions-là, ce sont vraiment des instaurations. Elles instaurent un nouveau régime. Et puis, ensuite, pendant très longtemps, on concrétise les potentiels d'une invention majeure. Une invention majeure, elle est grosse de ce que l'historien des sciences Simondon, Gilbert Simondon, Histoire des techniques, appelle des concrétisations. Une fois qu'il y a une instauration capitale, eh bien, on concrétise pendant longtemps toutes ces possibilités.
Et Simondon prenait l'exemple du moteur, moteur de voiture. Ben, tous les ans, il y a des nouveaux modèles de voitures. Il y a des innovations insignifiantes qui sont de l'ordre de la mode. Mais en matière de voiture, depuis que la voiture existe, il n'y a eu que deux ou trois innovations vraiment importantes. Le moteur à combustion interne, le moteur diesel et le moteur hybride d'aujourd'hui, ou le moteur électrique, qui dépend de ce que trouvent nos amis dans les batteries. Mais la voiture, il y a trois véritables nouvelles discursivités, si vous voulez. Et puis des modèles différents chaque année. Et dans les deux cas, pourtant, il y a cette notion d'obsolescence qui est liée à l'innovation. Une fois qu'il y a innovation, il y a obsolescence. Et d'où le grand danger de l'application d'une notion comme celle-là aux arts et aux lettres. C'est tout ce que Baudelaire décrit. Il y a des pages très très violentes de Baudelaire contre la notion de progrès et en raison de son application aux beaux-arts et aux belles-lettres. Et beaucoup de modernes sont pris dans, j'ai envie de dire, le même paradoxe. Le culte du nouveau et en même temps la volonté que ça dure. Que ça dure. Baudelaire, c'est l'inventeur de la modernité, n'est-ce pas ? C'est lui qui invente et qui donne véritablement la force à ce mot. Mais en même temps, il voudrait inventer, dit-il, quelque chose qui soit digne de l'Antiquité. Comment est-ce qu'on peut à la fois vouloir être moderne et vouloir inventer quelque chose qui sera digne de l'Antiquité ? C'est-à-dire qui durera toujours. Dans l'œuvre de Proust, tous les modernes sont concernés par ce problème. Tous les auteurs véritablement modernes, les artistes modernes, sont concernés par ce problème. Dans l'œuvre de Proust, il y a un personnage qui incarne cette conception de l'art, qui voudrait que l'art d'hier, ce ne soit plus de l'art. L'art d'hier, ça ne vaut plus rien. Et un personnage, c'est la jeune Madame de Cambremer. Elle est ridicule parce qu'elle est une snob du progrès. Elle a le snobisme du nouveau. Donc, pour elle, eh bien, l'art du passé ne vaut plus rien. Et le narrateur a une conversation avec elle, c'est au bord de la plage, à Balbec, et elle dit au narrateur de la recherche du temps perdu, « Et comment pouvez-vous apprécier, que lui dit-elle, comment pouvez-vous apprécier Chopin alors que nous avons eu Wagner ? » Et pour elle, après Wagner, Chopin, ce n'est plus rien. Elle dit ça aussi parce que sa belle-mère a appris à jouer du piano avec une élève de Chopin. Alors c'est pour dire du mal de sa belle-mère. Et alors le narrateur de la recherche du temps perdu, qui est un peu pervers, lui dit, ah oui, mais Debussy aime Chopin. Oui, Debussy aime Chopin. Alors la pauvre Madame de Cambremer est toute troublée. C'est cette image de la spirale de Vico ou de Barthes qui fait qu'on peut retrouver l'ancien à un autre stade. Debussy retrouve Chopin. Alors elle est interloquée, elle se tait. Et ils sont au bord de la mer, ils regardent la mer et le narrateur fait une comparaison entre le paysage de mer
et un tableau de Poussin. Et Madame de Cambremer lui dit, mais Poussin, mais comment vous pouvez encore apprécier cette vieille barbe de Poussin après Monet, après les impressionnistes? Poussin, ça ne vaut plus rien. Et le narrateur lui dit, ah, mais Degas aime beaucoup Poussin. Et la pauvre est totalement perdue. Et alors elle dit, que dit-elle? Elle dit, ah, il faudra que je retourne voir les Poussins. Parce que c'est une snob. Et donc si Degas apprécie Poussin, ben, il faut qu'elle s'y mette elle aussi et qu'elle l'apprécie. Mais je veux simplement vous montrer que c'est un problème constant pour les artistes modernes que celui-là. Et au fond, cette contradiction des grands innovateurs qui voudraient aussi que ça dure. Manet, on trouverait ça aussi chez lui. Ce paradoxe de la survie. Mais alors évidemment, ici, on doit entrer dans, je cite là des œuvres qui sont un peu du passé, on doit entrer ici dans ce qui concerne ce qu'on appelle la révolution numérique, puisqu'on est dans un autre monde tout de même. On dit parfois que cette révolution numérique dans laquelle nous sommes, c'est la troisième révolution industrielle, après le moteur, justement, le moteur à explosion, et l'électricité. Ben, troisième révolution industrielle, bon, et certains disent, justement, c'est une révolution qui n'est pas industrielle. Elle n'est plus industrielle, elle nous fait sortir du monde de l'industrie. Ben, l'un des paradoxes de cette révolution, c'est justement que elle n'a pas produit, comme le disent les économistes, de gains de productivité. C'est l'un des paradoxes du monde contemporain, c'est pourquoi la croissance est faible dans le monde contemporain, c'est que la troisième révolution industrielle, qui est donc plus tout à fait industrielle, n'a pas produit de gains de productivité, et les gains de productivité qu'on attendait et qu'on ne trouve pas. Et le résultat, c'est ces taux de croissance faibles des économies, notamment des économies européennes, sauf dans les régions du monde où on est en situation de rattrapage. Ou alors là, il y a des gains, des taux de croissance élevés. Mais là où on était déjà au fer de lance de l'industrie, ben, il n'y a pas de gains de productivité. Pensez à nous. Nous sommes entourés de nombreuses prothèses électroniques et numériques. Des téléphones, des portables, tout ça, des ordinateurs, on a tout ça. Est-ce que, véritablement, nous sommes plus productifs? Est-ce que nous avons fait des gains de productivité dans nos activités? Ce dont nous sommes certains, c'est que nous avons augmenté les coûts. Tout ça coûte plus cher. Tout ça coûte plus cher. Est-ce que cela a augmenté la productivité? Et nous touchons à un problème qui est très sérieux dans le monde de la culture, dans le monde des arts, dans le monde de la littérature. C'est que c'est un monde où il n'y a pas, ou quasi pas, de gain de productivité. C'est un secteur d'activité tout à fait singulier par cela. Et c'est ce qui fait que sa condition est peut-être fragile dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a une loi des économistes qui s'appelle la loi de Baumol, B-A-U-M-O-L. Baumol, c'est un économiste américain qui est mort il y a un an ou deux. Et la loi de Baumol, c'est la loi de la fatalité des coûts croissants dans les secteurs d'activité humaine où il n'y a pas de gain de productivité.
pensez par exemple à la musique. C'est pour ça que c'est très grave dans tous les secteurs de la culture. Dans la musique, eh bien, il faut toujours autant de répétitions pour bien jouer une symphonie de Beethoven qu'à la date où cette symphonie de Beethoven a été créée. Il faut toujours autant de temps aujourd'hui qu'au début du 19e siècle pour apprendre à jouer du piano ou du violon. Il faut toujours autant de temps, je le dirais, pour apprendre à lire et à compter que chez les Grecs. Il faut toujours autant de temps aujourd'hui pour faire une licence de philologie romane ou d'études littéraires. Nous sommes dans un secteur, et il faut en prendre conscience, où il n'y a pas ou quasi pas de gain de productivité. Et le résultat, c'est une augmentation des coûts. C'est pourquoi la culture coûte de plus en plus cher. C'est pourquoi ça coûte de plus en plus cher d'aller à l'opéra ou d'aller au théâtre. Parce que, contrairement à la plupart des autres activités, c'est toujours aussi long de répéter, de se préparer, de s'y mettre. Si je veux comparer ces activités de la culture, je vois une seule activité qui s'en rapproche véritablement de très près, c'est la coiffure. La coiffure, c'est un secteur d'activité où il n'y a pas de gain de productivité. Si je vais chez le coiffeur et qu'il ou qu'elle va plus vite, ça sera mal fait. Si on va plus vite, c'est mal fait. Si on va plus vite pour répéter un concert, ça sera un mauvais concert. Si on va plus vite pour apprendre à lire à quelqu'un, il lira mal. Si on va plus vite pour apprendre à quelqu'un à compter, il ne saura jamais compter. C'est un drame. C'est un drame. Alors, dans la coiffure, ben, vous savez comment ça se passe. Dans la coiffure, les salaires des coiffeurs suivent plus ou moins le niveau général des salaires, sans gain de productivité. Ben, c'est un peu ce qui arrive dans l'enseignement et dans la culture en général. C'est ce que les Américains, les économistes, appellent le « cost disease ». Nous sommes un facteur affecté par le « cost disease ». Alors, si je pense à mes propres activités, bon, je suis professeur, je suis chercheur, je suis écrivain, je suis lecteur. Comment est-ce que j'ai été concerné par ce monde numérique dans lequel je suis entré depuis 40 ans. J'ai été diversement affecté dans ces activités, profondément affecté, et si j'essaye de mesurer, y a-t-il eu des gains de productivité ? Ben, y a des activités où je peux dire oui. Je voudrais vous donner un exemple. Lorsque dans les années 80, j'ai fait l'édition critique de l'œuvre de Proust pour la bibliothèque de la Pléiade, début des années 1980. Tous les jours, j'allais à la Bibliothèque nationale, au cabinet des manuscrits, j'avais les cahiers de Proust, les brouillons de Proust devant les yeux, je les copiais avec un crayon à papier, puisqu'on n'a pas le droit d'aller au cabinet des manuscrits avec autre chose qu'un crayon à papier, je copiais le brouillon de Proust. Le soir, je rentrais chez moi, je dactylographiais les pages, les 3-4 pages que j'avais lues de Proust, je les dactylographiais le soir sur une machine à écrire électrique, Olivetti, que m'avait donné Roland Barthes parce que il n'arrivait pas à l'utiliser parce que lui, il en était encore aux machines à écrire mécaniques. Il n'est jamais passé à la machine à écrire électrique. Donc j'avais fait un petit gain de productivité par rapport à lui.
j'avais une Olivetti à boule. Non, ce n'était pas à boule, c'était les IBM qui étaient à boule. J'avais une Olivetti électrique. Je tapais les pages. Le lendemain, je retournais au cabinet des manuscrits. Je relisais ma page dactylographiée avec mon crayon et je, comme on dit, collationnais pour voir si c'était bien fait et je corrigeais. Puis je rentrais chez moi et avec ce qu'on appelait du Tipex, là, le blanc, je corrigeais ma dactylographie. 2 ans après, j'aurais eu un ordinateur portable. 2 ans après, je serais allé à la Bibliothèque nationale avec un ordinateur portable. J'aurais gagné au moins 2 fois la moitié du temps. J'aurais eu un gain de productivité, là, de 50%, probablement, si j'avais fait ce travail 2 ans après. Vous imaginez toutes les centaines d'heures perdues ? Toutes les centaines d'heures perdues. Oui, nous avons eu des gains de productivité comme chercheurs. Comme enseignant, je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus douteux comme enseignant que nous ayons eu le moindre gain de productivité depuis l'invention du numérique. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que des milliards et des milliards de dollars et d'euros ont été engloutis dans la recherche de l'innovation. Il y a quelques années, on nous parlait tout le temps de ce qu'on appelait les MOOCs. En italien, je ne sais pas comment on dit, MOOCs. Massive Open Online Courses. C'était des cours qui seraient donc open et online, comme on dit, et gratuits pour tout le monde. Et les premiers cours qui avaient été lancés à Stanford, il y avait 20 000 inscrits dans ces cours. Et on s'est dit, ben ça y est, enfin, on a trouvé un moyen de faire des progrès dans l'enseignement supérieur. On pourra se passer des bâtiments. Quelle économie, se passer des bâtiments. Et on s'est dit, voilà, enfin, la démocratisation de l'enseignement supérieur. On pourra faire aller à l'université sans université, passer des diplômes sans université. On en est revenu de ce rêve, puisqu'au bout du compte, on s'est aperçu que les étudiants qui allaient jusqu'au bout des MOOCs, c'était ceux qui avaient déjà des diplômes. Pour aller jusqu'au bout de cet enseignement en ligne massif, il fallait déjà être passé par un enseignement physique, présentiel, pour un premier diplôme. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup moins de ces MOOCs. Donc depuis des années, on cherche, au fond, la pierre philosophale qui nous fera faire des progrès dans l'enseignement. Pendant longtemps, en France, je faisais partie de ce qui s'appelait le Haut Conseil de l'Éducation, au ministère de l'Éducation nationale, qui était censé observer ce qui se passait à l'école, et donc je visitais beaucoup d'écoles. Et je visitais des écoles où il y avait ce qu'on appelait, je pense que ça existe en Italie aussi, des classes électroniques dans les collèges. Des classes électroniques dans les collèges. Donc on voyait les élèves qui étaient dans cette classe, tous devant l'ordinateur, le professeur qui était devant son ordinateur de contrôle. Et bon, je voyais... Et pendant ce temps-là, quand on regarde les statistiques des jeunes Français au test qui s'appelle PISA de l'école, ils sont en chute libre. Les petits Français ne savent plus aujourd'hui faire une règle de 3. Qui des jeunes Français sait encore faire une règle de 3? Comment on dit une règle de 3 en italien? Comment est-ce qu'on dit une règle de 3 en italien? Comment? Bon, c'est une proportion. Il y a sûrement une expression en italien. X sur Y égale A sur B égale C sur D. Donc, si vous avez 3 termes, vous cherchez le 4e. Comment ça s'appelle, une règle de 3? Enfin, il y a sûrement un terme. Rigola di tre. Ben, voilà, rigola di tre. Bon. En français, on n'appelle plus ça règle de 3. On appelle ça produit croisé. Bon, c'est la mode. Justement, la mode, on change le nom des choses. Bon,
Donc, les Français ne savent plus faire avec de 3, mais ils ont des classes électroniques. Alors, on espère que les neurones qu'ils épargnent dans cette activité, ils les consacrent à quelque chose de supérieur. Mais on n'en est pas tout à fait sûr. Quant à l'écriture, est-ce qu'on écrit mieux avec des ordinateurs et des traitements de texte que l'on écrivait avant? Est-ce qu'on en écrit mieux? Je me souviens du dernier article que j'ai écrit à la main, en 1985, quand je suis parti aux États-Unis et que j'ai eu un ordinateur. Dernier article fait à la main. Je l'ai gardé longtemps, puis un jour je l'ai déchiré et jeté. Mais j'entendais, il n'y a pas très longtemps, Philippe Solers, auteur d'Avant-Garde, dire à la radio, si c'est fait au traitement de texte, alors ce n'est pas de la littérature. Est-ce que fait au traitement de texte, c'est encore de la littérature? En revanche, j'ai eu comme collègue au Collège de France, Yves Bonnefoy, l'un des grands poètes du second XXe siècle. Yves Bonnefoy passait sa vie derrière son ordinateur. Chaque fois qu'on lui envoyait un courrier électronique, il répondait instantanément parce qu'il était derrière son ordinateur. Et toute l'œuvre d'Yves Bonnefoy, qui est mort il y a 2 ans, des 20 dernières années, elle a été faite à l'ordinateur. Mon éditeur, chez Gallimard, qui est depuis longtemps Pierre Nora, l'historien, Pierre Nora me disait, j'ai souvent eu des disputes avec lui sur ces questions, il me disait, quand je reçois un manuscrit, je sais tout de suite s'il a été fait au traitement de texte. Je le sens, il a été fait au traitement de texte. Je lui dis, pourquoi? Il me disait, parce que c'est informe. Au traitement de texte, on ajoute dans tous les sens, le texte fait au traitement de texte, il est en expansion, on ajoute des notes, il est un peu monstrueux. Et je lui répondais, je lui disais à Pierre Nora, oui, mais enfin, il y avait déjà des textes monstrueux avant, il y avait déjà des textes informes avant le traitement de texte. Et d'ailleurs, les textes monstrueux, les textes informes, il arrive que ce soit parfois les plus grands textes de la littérature. Après tout, les deux auteurs sur lesquels j'ai peut-être le plus travaillé, Montaigne et Proust, voilà des œuvres informes. Montaigne et Proust avaient déjà inventé le traitement de texte. Quand vous regardez comment Montaigne travaillait en ajoutant partout, en commentant partout, quand on regarde l'exemplaire de Bordeaux des essais de Montaigne, où dans les marges partout il écrit, c'est déjà du traitement de texte. L'ordinateur, c'est juste de l'électronique. Ça simplifie ce qu'on faisait déjà mécaniquement avant. C'est plus efficace, mais ce n'est pas vraiment nouveau de ce point de vue. Et Proust, vous savez, les paperoles de Proust. Parfois, Proust ajoute une paperole qui fait 1,30 m dans un manuscrit qui se déroule. C'est pas plus monstrueux que dans les textes qu'on fait aujourd'hui au traitement de texte et à l'ordinateur. Il faut être très prudent dans toutes ces histoires. Il y a quelques années, j'avais un peu travaillé sur l'invention de la plume de fer. Quand la plume de fer a été inventée, savez-vous? La plume de fer. La plume de fer avec laquelle j'ai encore appris à écrire. Moi, à l'école primaire, c'était encore une plume qu'on trempait dans l'encrier dans les années 1950. De quand ça date, la plume de fer? La plume de fer, ça date de 1830. C'est une invention capitale dans l'histoire de l'humanité, puisque c'est celle qui a permis la démocratisation de l'école au 19e siècle. Deux inventions capitales, le papier fait avec la cellulose du bois et la plume d'acier inventée en Angleterre. Jusque-là, on écrivait avec des plumes d'oie. La plume d'oie, ça s'use vite.
il faut l'importer parce qu'on n'en a pas assez en Europe. Au XIXe siècle, il y a une pénurie de plumes. On les importe de Russie et de Pologne, en Angleterre et en France. C'est un objet de luxe, la plume d'oie. La plume de fer a permis la démocratisation de l'école. Eh bien, qu'est-ce qui s'est produit au moment de l'invention de la plume de fer ? Tous les écrivains ont condamné. Aucun écrivain n'est passé à la plume de fer. Flaubert disait qu'il avait un trésor sur sa table de travail. C'était un vase avec ses plumes d'oie. Flaubert se décrivait comme un homme plume. C'était un homme plume d'oie, non plume de fer. Un jour que Flaubert est dans un café des boulevards et qu'il est en train de rater un rendez-vous avec sa nièce, Caroline, il lui écrit un mot sur le papier du bout du café qu'on lui donne avec une plume de fer et ça gratte la plume de fer sur le papier et en bas du mot, Flaubert écrit « Merde pour la plume de fer hein ». Merde pour la plume de fer. Baudelaire écrit à peu près la même chose un jour dans une lettre à sa mère. Victor Hugo, quand il a écrit « Les Misérables », encadre les plumes d'oie avec lesquelles il a écrit « Les Misérables », qui sont au musée Victor Hugo à Paris. Aucun des écrivains du XIXe siècle n'est passé à la plume de fer, sauf un, un seul. Un seul a immédiatement passé à la plume de fer en 1830. Vous savez qui c'est. C'est qui ? Quel écrivain français a immédiatement pris le train de la plume de fer ? Alexandre Dumas, pour faire de la littérature industrielle. Mais la plume de fer, c'est vulgaire. C'est pour les comptables, c'est pas pour les écrivains. Alors soyons très prudents avant de condamner l'ordinateur aujourd'hui. On a dit la même chose. Oui, je voulais vous faire cette citation d'un écrivain en 1830. La plume de fer, c'est la honte, c'est le déshonneur, c'est le fléau des sociétés modernes. Enfin, je vous le dis, le monde ne mourra ni par la vapeur, ni par le gaz hydrogène, ni par les ballons, ni par les chartes constitutionnelles, ni par les chemins de fer. Le monde mourra par la plume de fer. À cause de la plume de fer, les écrivains ne réfléchiront plus, parce que lorsqu'on taillait sa plume d'oie, on avait le temps de penser. Avec une plume de fer, on ne pensera plus. Ça ne sera plus de la littérature. Ensuite, on a dit la même chose avec le stylo réservoir. Ça va encore plus vite, parce qu'il ne faut plus tremper sa plume dans l'encrier. Puis ensuite, il y a eu le stylo à bille, la pointe bic, etc., etc. Et la littérature n'est pas morte. Que je sache, je pense qu'elle survivra au traitement de texte et à l'ordinateur. Comme chercheur, on pourrait donc dire que, oui, j'ai sans doute fait des gains de productivité. Je peux travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, j'ai accès à toutes les bibliothèques du monde. Donc, je peux travailler tout le temps. J'ai fait des progrès. Non, c'est idiot ce que je dis là. Auparavant, je pouvais lire toute la nuit. Au lieu de parcourir des articles sur Internet, je pouvais lire toute la nuit La recherche du temps perdu de Proust, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Peut-être que ce progrès que je décris, celui du chercheur, même celui-là, c'est un peu une illusion. Cela me donne une lecture en extension
beaucoup plus accessible. Mais la lecture en profondeur, je pouvais déjà la voir. Je ne suis pas certain d'avoir tellement fait de progrès de ce point de vue par rapport à Montaigne, qui dans sa tour avait tous les classiques grecs et latins qui tiennent aujourd'hui dans une clé USB. Lui, il les avait. C'était les premiers livres imprimés. L'imprimerie n'était pas très ancienne, mais il avait tout ce qu'il fallait autour de lui. Il pouvait lire tous les jours que Dieu faisait. Donc, certes, lorsque je décrivais mon expérience de la Bibliothèque nationale, il y a eu des progrès, mais ne les exagérons pas. Comme enseignant, je dis, nous n'avons vraiment pas fait beaucoup de progrès. Et puis, comme lecteur, il y a vraiment une contradiction de la littérature et de l'innovation. Je dirais que c'est l'obstacle de la lecture. Et c'est pourquoi c'est peut-être la lecture qui est le plus en danger dans le monde contemporain et dans le monde numérique. Nous ne lisons pas plus vite que par le passé. Et cette lenteur de la lecture est un obstacle capital à l'adaptation de la littérature dans le monde contemporain et dans le monde numérique. L'un des points intéressants à cet égard, c'est l'état du livre numérique. Je ne sais pas où en est le livre numérique en Italie, et vous me le direz, mais dans les langues que je connais, notamment l'anglais et le français, le livre numérique a démarré très fort, à une date assez récente. Il a atteint un plateau, et depuis qu'il a atteint ce plateau, cela s'effrite. En anglais ou en américain, le plateau a été atteint en 2014. Et depuis 2014, le livre numérique n'augmente plus en proportion du livre papier dans l'édition américaine. Il est tout de même à environ 20% du marché du livre. En France, c'est très inférieur. Il est, le dernier chiffre qu'on connaît, c'est celui de 2017, 7,6% du chiffre d'affaires de l'édition pour le livre numérique. Ce n'est pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup, mais il y a des disparités énormes. Par exemple, pour tout ce qui concerne l'édition médicale, l'édition juridique, il y a certains secteurs où ça peut être 75% du chiffre d'affaires. Mais dans les secteurs de littérature générale, c'est faible. Et je pense que cela reflète ce caractère qui reste traditionnel de l'activité de lecture. Nous sommes des lecteurs hybrides. Il y a beaucoup de choses que nous lisons sous forme numérique, mais nous lisons en même temps sous forme papier. Je crois qu'il faut distinguer le cas des journaux, les journaux qui, dont la conversion vers le numérique est largement entamée, et le cas des livres où les chiffres restent très, très faibles. Alors on pourrait évidemment épiloguer longuement sur les conditions de cela. On peut dire qu'un livre qu'on lit sous forme numérique, c'est un livre que l'on ne possède pas vraiment. Lorsque j'ai un livre dans ma tablette ou dans mon téléphone, je ne peux pas le prêter, je ne peux pas le donner, je ne peux pas le léguer. Autrement dit, je ne fais que le louer. Et pour la location d'un livre, c'est somme toute assez cher. Mon expérience de la lecture sur les livres numériques, je lis beaucoup de livres numériques, parce que c'est plus léger à porter quand on se déplace. Mais très curieusement, j'ai observé que les livres que je lisais sur ma tablette
je les oubliais. J'avais oublié que je les avais lus. Et on me dit, est-ce que tu as lu tel livre? Et je dis, je ne sais pas si je l'ai lu ou non. Parce que ma mémoire, mais c'est peut-être parce que je suis vieux, elle est liée à l'espace de la page. Je me représente les livres encore comme des espaces et comme des volumes dans lesquels je me déplace. Mais peut-être que les générations suivantes n'auront pas du tout les mêmes compétences et les mêmes réactions. Là aussi, il faut être très, très prudent dans ce que l'on avance sur ces différences entre livres numériques et livres physiques. Après tout, je me rappelle de ma propre jeunesse. Quand j'étais adolescent, c'était la grande époque du livre de poche qui s'est introduit à ce moment-là en France, fin des années 50, dans les années 60. C'est la grande époque du livre de poche. Eh bien, la grande majorité des intellectuels français ont réagi, des gens comme moi aujourd'hui, ont réagi au livre de poche en disant « livre de poche, culture de poche ». Le livre de poche, c'est une culture jetable, comme ceux qui disaient « la plume de fer, c'est la mort du monde ». Tous les intellectuels ont dit « livre de poche, culture de poche ». On les laissera dans les banquettes du train. On les jettera comme les journaux. On les lira en poche, ils se défront et on les jettera. Ma génération a lu toute la littérature par la grâce du livre de poche, parce que cette littérature est tombée dans les livres de poche. J'ai lu La recherche du temps perdu de Proust parce que c'était en livre de poche et quand c'est tombé en livre de poche. Sinon, je n'aurais jamais lu de Proust, peut-être. J'aurais jamais changé du métier d'ingénieur au métier de professeur sans le livre de poche. Donc, soyons très, très prudents à l'égard de cette lecture numérique. Mais je crois qu'on peut quand même dire qu'il y a un certain conservatisme de la lecture qui est inhérent à la lecture, qui est inhérent à ce que je disais, l'absence de gain de productivité dans la lecture. Maintenant, j'aurais voulu aborder une seconde entrée très importante dans ce contexte. Il y a trois parties que j'aurais voulu traiter, mais je parle déjà depuis longtemps. J'ai commencé à quelle heure ? En fait, je n'ai traité que la première partie de ce que je comptais traiter. Il y en avait trois, mais donc je ne les traiterai pas. La deuxième, c'était celle-ci. La littérature innove-t-elle encore dans ce contexte? Et la troisième, c'est est-ce que les innovations de la littérature ont une efficacité, un effet hors de la littérature? La littérature innove-t-elle encore? Si je reviens là aussi à l'époque de ma jeunesse, quand j'avais 20 ans, c'était encore le temps des avant-gardes. C'était un peu la fin des avant-gardes. Quand j'étais adolescent et que j'avais 20 ans, c'était l'époque, la queue du nouveau roman et le grand moment des dernières avant-gardes, telles quelles et tout ce qui a tourné autour de telles quelles. Peut-on trouver quelque chose d'équivalent aujourd'hui? Je dis en littérature, parce que je ne pense pas que ce soit la même chose dans les arts plastiques. N'oublions pas que cette époque moderne, que je qualifiais au fond cette époque du « make it new », du nouveau, a été caractérisée en littérature par quelques grandes inventions. Je crois qu'on peut dire qu'il y a eu des inventions littéraires durant cette période. Des inventions qui sont comparables à des inventions techniques. On peut en citer quelques-unes. Première invention, le poème en prose. Le poème en prose est une... Il n'y en avait pas avant, il y en a après. Et on nous dit, le poème en prose a été inventé par Aloysius Bertrand, et Baudelaire.
les petits poèmes en prose du spleen de Paris. Deuxième invention de ce 19e siècle, je dirais post-1848, en gros, époque de la modernité, le vers libre. Le vers libre, c'est une invention qu'on peut caractériser autour de Mallarmé et de Crise de vers. C'est une véritable invention. Troisième invention, l'écriture automatique, avec le surréalisme. Et je crois qu'on peut dire que pour la troisième fois, on a une invention qui coïncide avec une théorie de ce qui est inventé. Et je crois que c'est très important d'ajouter cette donnée. Il n'y a pas eu d'invention littéraire sans conscience de cette invention, c'est-à-dire sans théorie de l'invention. Je disais tout à l'heure, Aloysius Bertrand, Gaspard de la Nuit, ce sont des poèmes en prose, mais le vrai inventeur, c'est Baudelaire, parce que Baudelaire a écrit la dédicace du spleen de Paris, dans laquelle il fait la théorie du poème en prose, adaptée au rythme de la société moderne. Breton a inventé l'écriture surréaliste et il a écrit le manifeste. Il a fait la théorie de son invention. Pas d'invention sans théorie de l'invention. Dans le roman, eh bien, je crois qu'on peut dire que aussi dans le roman, il y a eu des inventions majeures de la modernité. Une invention la plus évidente, c'est le monologue intérieur, le stream of consciousness, le courant de conscience en français. Alors la même chose, on nous dit l'inventeur du stream of consciousness, c'est Édouard Dujardin, dont les lauriers sont coupés. Mais enfin, on peut le mettre de côté, les véritables inventeurs, c'est Virginia Woolf et James Joyce, parce qu'ils en ont fait la théorie de cette invention. On pourrait proposer sans doute encore d'autres inventions et insister sur le fait qu'il y a eu, à travers ce bon siècle, un culte du nouveau qui consistait à vouloir toujours aller plus loin. Aller plus loin. Et aller plus loin, ça voulait dire aussi être plus pur. C'est Gide qui disait « Il faut supprimer du roman tout ce qui n'appartient pas au roman. » Qu'est-ce qui reste ? Rien, peut-être, dans ce culte de la pureté. Mais il y a un grand moment caractérisé par une série d'inventions en littérature, en poésie comme en prose, et au fond, c'est la période que Bourdieu caractérisait comme celle de l'autonomisation de la littérature. Et tous les écrivains que je cite avaient conscience de ce mouvement. Je me souviens de Robbe-Grier, que j'ai souvent entendu dire « Si le nouveau roman n'a pas été compris dans les années 50, c'est parce que les lecteurs et les critiques n'avaient pas assimilé Proust. Nous allions plus loin que Proust, comme Proust allait plus loin que Balzac et Flaubert, et si on n'avait pas lu Proust, on ne pouvait pas lire Robbe-Grier, Sarraute, Claude Simon. On ne pouvait pas les comprendre, on ne pouvait pas comprendre ce qu'ils voulaient faire, quel était leur projet littéraire. » Et voici une citation de Nathalie Sarraute qui résume bien cet état d'esprit. Nathalie Sarraute, vers 1964. « La littérature m'apparaît comme une course de relais. Chacun prend le témoin des mains d'un écrivain qui l'a précédé. Chacun prend le témoin d'un écrivain qui l'a précédé. Il n'est pas possible de revenir en arrière, ni même de rester sur place. Tu t'arrêtes d'avancer, tu meurs. » C'est ce qu'elle disait, Nathalie Sarraute.
Si tu t'arrêtes, tu meurs. Il n'est pas possible de revenir en arrière, ni même de rester sur place. Le mouvement qu'on appelle le nouveau roman, je continue, c'est la citation, le mouvement qu'on appelle le nouveau roman est très sain, il était nécessaire, il prend sa place dans un développement irréversible. Développement irréversible de la littérature, Balzac, Flaubert, Proust, nouveau roman, tel quel. Si tu t'arrêtes d'avancer, tu meurs. Impossible de retourner en arrière. Eh bien, je demande, quel écrivain aujourd'hui soutiendrait cette thèse ? Je pense aucun. Il n'y a pas un écrivain français, et je pense italien, et je pense européen, qui soutiendrait aujourd'hui cette thèse, dont, n'oublions pas, elle est professée par les écrivains à peu près depuis Stendhal, qui disait « Je serai lu dans un siècle ». Stendhal répétait cette phrase. « Je ne suis pas lu aujourd'hui, je serai lu dans un siècle, parce que les lecteurs m'auront rattrapé, auront compris. » Aucun écrivain, me semble-t-il, ne soutiendrait ceci, comme si nous étions sortis de ce moment qui a peut-être été une parenthèse dans l'histoire de la littérature et des arts, une parenthèse qui a duré un siècle, ou à peu près, un bon siècle, une parenthèse d'un siècle qui se serait suspendue et nous serions revenus à un régime antérieur. Au fond, comme les économistes nous disent, la période de forte croissance des deux révolutions industrielles a été une parenthèse. Et nous sommes revenus pour longtemps dans une période de croissance lente qui était celle des économies avant les révolutions industrielles. Et bien, peut-être que nous en sommes sortis de la même façon en littérature. Question troisième, plus grave, la littérature peut-elle accélérer l'innovation ? Ben, je dirais que très longtemps, juste un mot sur ça, ça a tout de même été la thèse. C'est la thèse classique, c'est la thèse rhétorique, plaquerée, est docéré, la littérature a une finalité d'instruction et de progrès, instruire en plaisant. C'est la thèse depuis le XVIIIe siècle, depuis les Lumières. La littérature libère, elle met en cause les préjugés, c'est un instrument de libération. Je dirais que de Voltaire à Sartre, c'est la vision qu'on a de la littérature. Elle libère des préjugés. C'est un facteur d'innovation. Et puis je parlais de la période moderne plus longuement, de Stendhal à Baudelaire à tel quel. L'idée est bien que la littérature est à l'avant-garde et que le reste de la société suit. Cette notion d'avant-garde, c'est une notion saint-simonienne, et pour Saint-Simon, il y avait deux activités qui étaient d'avant-garde, les ingénieurs et les artistes. C'était eux qui étaient en avant, les éclaireurs, ingénieurs et artistes, solidaires de l'avant-garde. Eh bien, là aussi, vous voyez que c'est une idée moderne, et je pense que ce sont les conceptions que nous avons eues pendant longtemps de la littérature. Et
je peux bien dire que tout un courant remet en cause aujourd'hui ces conceptions de la littérature. Que ce soit la conception classique, rhétorique, instruire en plaisant, que ce soit la conception des Lumières de Voltaire à Sartre, libérer des préjugés, que ce soit la conception avant-gardiste du romantisme aux dernières avant-gardes. Et nous sommes donc dans une citation qui, pour la littérature, peut paraître inquiétante. Je me console en suggérant que tous les auteurs que j'ai aimés, eh bien, ils ont toujours été des inventeurs malgré eux. Pensez à Montaigne. Montaigne détestait ce qu'il appelait la nouvelleté. Le mot de nouvelleté est partout chez Montaigne. La nouvelleté, c'est le mal. C'est le mal, la nouvelleté. Je n'entre pas dans les débats religieux qui lui suggèrent cette conception. Montaigne est un conservateur. Montaigne est l'inventeur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet pervers. Chaque réforme renferme des inconvénients qu'on n'avait pas vus. C'est ça l'effet pervers. Il vaut mieux pas faire de réforme parce qu'on est sûr de ce qu'on a et on n'est pas sûr de ce qu'on aura. Comme dit le proverbe français, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. C'est ça Montaigne, c'est ça l'effet pervers. Ne changeons rien parce qu'on risque que ce soit pire. C'est ce qu'on appelle en français le principe de précaution, qui est aujourd'hui dans la Constitution française. Principe de précaution. Faisons attention au changement, parce que dans tout changement, il y a des bénéfices prévus et il y a des inconvénients imprévus qui presque toujours sont pires. Et bien Montaigne, je crois que j'arrêterai sur ça, Montaigne c'était un conservateur, c'était le prophète de l'effet pervers et du principe de précaution, et bien c'est Montaigne qui a inventé le sujet moderne. Le sujet moderne en réfléchissant à lui-même, à sa subjectivité, à son identité, à partir des livres. À partir des livres. Le sujet moderne, c'est un lecteur. Et c'est le lecteur qui médite à partir de ses lectures, comme Montaigne dans sa tour. C'est pourquoi j'en reviens à ce qui est vraiment la croix de notre expérience contemporaine, ce qui est au centre de notre expérience contemporaine, c'est le destin de la lecture. Lirons-nous? Continuerons-nous à lire? Comment lirons-nous? Et je sais d'expérience, et vous savez tous, que vous ne lisez pas aujourd'hui comme vous lisiez il y a quelques années. Il se peut que vous lisiez plus, mais vous lisez autrement, fatalement. Et donc, c'est le destin de la lecture qui est au cœur de la réflexion. Mais je crois que la littérature a été toujours un accélérateur d'innovation, bien que cela n'ait jamais été sa finalité. Ce n'était pas celle de Montaigne, ce n'était pas celle de Baudelaire, ce n'était pas celle de Proust et de beaucoup d'autres écrivains dont on peut dire qu'ils nous ont transformés, pour ainsi dire, malgré eux. Malgré eux. J'arrête là.
grazie infinite a Antoine Compagnon per questa splendida conferenza e, come dire, che ci mette al cuore, nel cuore, ci introduce proprio nel cuore dei problemi della riflessione sulla letteratura e sulla letteratura, come dire, come presente oggi. Qual è la sua funzione, qual è il suo valore e, come dire, ne viene che ne ha moltissimo all'interno di un mondo che in realtà, come dire, vorrebbe in qualche modo marginalizzarla. Avrei molte domande, come tutti quanti, darei prima di tutto la parola al pubblico per alcune domande sulla conferenza appena fatta. Forse vuoi venire, non so se funzioni anche questo. Tout d'abord merci pour votre conférence naturellement et je parle pas premier parce que je suis le moins compétent par rapport à tous mes collègues qui sont présents ici, qui sont des véritables experts sur la littérature. Moi, par contre, je ne suis pas du tout un expert, je suis un sociologue de processus culturel, mais j'estime énormément la littérature et ce que vous faites, ce que vous avez dit. Je vous propose tout simplement donc quelque chose de très banal, même si c'est un petit peu piquant, dans le sens que bon, vous avez commencé pour l'innovation destructrice. Hein, c'est une vérité. Je me rappelle un texte de Luc Ferry qui s'appelait justement comme ça, l'innovation destructrice. Et par là, nous avons affaire, je me permets très brièvement, avec un passage de qualité, un véritable retournement de paradigme par rapport à la modernité qu'on concevait en 19e siècle, dans lequel, justement, vous avez cité, il faut absolument être moderne, non, cette exaltation du nouveau comme sens normatif de l'histoire. Exaltation du nouveau comme sens normatif. C'est-à-dire, la modernité, c'est quelque chose de bon, de bien, de faisable. Maintenant, nous sommes devant à une grande vérité que vous avez très bien esquissée, c'est-à-dire une modernité qui est obligée de construire des objets qui ont une mort, qui doivent mourir, et probablement le plus tôt possible pour être substitués par des autres. Donc, finalement, nous avons affaire avec une innovation, excusez-moi, j'ai poussé la chose, j'enfonce le clou, une innovation meurtrière, c'est-à-dire qu'elle est obligée de construire des choses qui doivent mourir, et ça va dans un sens complètement différent par rapport à l'innovation littéraire, que, à mon avis, elle me semble une réflexion autour du vrai. C'est-à-dire, c'est cette raison que les classiques sont toujours là, parce que, je ne sais pas, je ne suis pas tellement compétent, mais je crois de me rappeler une phrase de Merleau-Ponty qui disait une œuvre d'art, un chef-d'œuvre, c'est quelque chose pour lequel ce qui arrive de nouveau ne le surprend pas. C'est-à-dire, il a quand même quelque chose à dire. Les classiques ont toujours cette grande qualité d'avoir quelque chose à dire. Hésiode, Homère, mais pourquoi pas Marivaux, mais pourquoi pas Molière, mais pourquoi pas justement Montaigne, Proust. Donc, alors, l'innovation joue dans un sens complètement opposé par rapport à l'innovation destructrice de notre technique, qui est obligée de brûler l'objet, tandis que, par exemple, vous n'avez jamais et vous ne penserez jamais à brûler Montaigne. Et justement, toute innovation, c'est une relecture, c'est une remise en état, c'est une récupération, et justement, c'est ça les grands charmes des lettres, qui ne sont, pour certains sens, jamais dépassés, mais toujours innovés. C'est-à-dire, on peut faire toujours une lecture nouvelle, comme vous avez démontré, bien sûr, et alors, par là, c'est quelque chose qui casse complètement la limite par rapport à l'innovation industrielle, qui, par contre, comme vous savez, est un exemple très simple que je fais à mes étudiants, qui parmi nous,
ici fait encore importance à les langages COBOL, par exemple, ou Fortran 4 avec lesquels on bavardait avec les ordinateurs il y a 20 ans. Ça n'a plus aucun sens. Ils sont pour nous carrément les jeter. Et c'est pour cette raison, et je m'arrête là, que les textes de médecine, par exemple, ou les ce que vous avez cité, qui sont les plus informatisés, sont justement ceux qui sont plus liés à la nouveauté, parce que justement, une nouvelle technique dépasse l'ancienne, et je n'ai aucun sens à m'égarer dans une bibliothèque d'anciens textes. Voilà, donc je ne sais pas si la question est claire. Non, c'est pour ça que je disais que les lecteurs de livres ont quelque chose de conservateur par rapport aux disciplines qui ont basculé complètement dans le numérique. Mais la question, c'est pour ça que j'ai donné une certaine importance à la question de la lecture. Oui, on lit encore Montaigne, mais il devient de plus en plus difficile de lire Montaigne. Et il devient de plus en plus difficile de lire Montaigne, par exemple, à l'école, où on lit dans les écoles secondaires françaises de moins en moins de littérature classique. Donc c'est... Oui, il y aura peut-être une petite minorité qui continuera de lire Montaigne, mais ce qui me souciait dans un certain nombre de réflexions que j'ai faites, c'est l'état de la lecture, justement. L'état de la lecture, de cette lecture littéraire qui a été pratiquée pendant un certain nombre de siècles, depuis Montaigne, à peu près depuis Montaigne jusqu'à nous, et qui ne sera peut-être pas la modalité de la lecture de l'avenir. Cette lecture intensive, attentive, longue, lente, etc. Ben si, il y en a une autre. Il y a la lecture de ce qu'on appelle le big data. Il y a la lecture que mon ami et collègue que j'ai eu comme collègue il y a longtemps, Franco Moretti, appelle « distant reading ». L'idée que ma lecture du « close reading », elle est une lecture restreinte, tandis que la lecture de l'ordinateur, cette lecture du « distant reading », eh bien, elle est... totale, complète. Elle lit tous les livres. Moretti a mis tous les romans victoriens sous forme numérique et ensuite peut faire toutes les opérations qu'il voudra, toutes les manipulations qu'il voudra. Il y a une défense d'un autre modèle de lecture pour lequel la machine est supérieure à l'homme. Oui, il y a ça. Moi, je ne suis pas un ennemi des humanités numériques, de ce qu'on appelle les humanités numériques. Je ne suis pas non plus un apologiste des humanités numériques, mais il est certain que les jeunes générations de chercheurs sont très marquées par la nécessité. Je peux vous dire que j'ai été la semaine dernière dans un comité de sélection pour... deux postes de professeur à la Sorbonne, que tous les candidats que nous avons auditionnés se sont tous crus obligés de parler des humanités numériques. Tous, ils ont, dans leur audition de 15 minutes, se sont débrouillés pour montrer qu'ils étaient intéressés par les humanités numériques et qu'ils en tiraient profit. Et ce sont donc, c'est donc un signe très important que dans les études littéraires, la lecture intensive, rapprochée, n'est pas la seule modalité de lecture possible. Je fais moi-même un grand usage de tout ce qui est disponible sous forme numérique. Je suis un
très grand usager du site Gallica de la Bibliothèque nationale. Hein. Je lis plus volontiers le Figaro de 1919 que le Figaro de 2019, tous les jours. C'est plus intéressant. Comment ? Oui, c'est plus intéressant de suivre le Figaro de 1919. C'est plus intéressant que celui d'aujourd'hui. Mais j'utilise beaucoup tout ça. Mais voilà, il faut être très prudent. C'est comme je disais, la plume de fer, le livre de poche, tout ça nous apprend à être très prudent sur les diagnostics que l'on porte sur notre présent et à être très généreux avec ce présent. Très généreux et de ne pas exprimer de nostalgie ou de pessimisme. Mais en même temps, ça veut dire avoir une grande vigilance. Par rapport à ça. Mais oui, je pense qu'il y a d'autres modalités de la lecture, notamment dans la recherche littéraire aujourd'hui. Altre domande? Vi ricordo che si possono porre domande in italiano, il professor Compagnon capisce perfettamente l'italiano. Alors, comunque sia, nel momento prendo l'occasione, je prends l'occasion pour dire que voilà, ça a été un peu un baume pour moi d'entendre votre discours, dans le sens où, voilà, si vous êtes, vos années de formation étaient pendant le formalisme impérant, moi, mes années de formation étaient plutôt, comment dire, à une époque des postmodernes impérants. Et donc, les années 90, etc., parler de nouveautés, parler d'émancipation, c'était, comment dire, être immédiatement voué aux hégémonies, nargué, comment dire, et tout à fait exclu. Parce qu'il avait encore, comment dire, ce spectre, ce monstre du sujet métaphysique conquérant qu'il fallait détruire. Et donc la nouveauté était vraiment, comment dire, un peu le signe de cette conquête nouvelle faite par le sujet sur le monde. Tandis, alors, on peut, et, ben, votre discours est tout à fait convaincant, il est tout à fait, sur l'état présent des choses. On peut dire, alors, que ce paradigme postmoderne est totalement, mort, ou alors qu'il a été véritablement inefficace de quelque côté. Parce que s'il est possible, de voir, renouveler cette valeur de la nouveauté, les postmodernes, c'est un spectre du postmoderne, c'était vraiment la nouveauté, c'était, Oui, mais justement, aujourd'hui, dans les arts, ce que je disais, dans les arts, personne ne revendiquera la nouveauté en littérature aujourd'hui. En littérature aujourd'hui, personne ne se réclamera du nouveau. Mais elle reste quand même un accélérateur. Elle peut rester un accélérateur, mais comme j'ai dit, malgré elle, elle ne sait pas où on l'attend, qu'elle n'a jamais été accélératrice. Oui, mais justement, dans la condamnation du nouveau, du postmoderne, il y a quelque chose qui amenait à ne pas véritablement considérer des valeurs de la littérature. Oui. Sa valeur, même malgré elle, de nouveau. Des nouveaux. Oui. Non, ce que je pense, c'est qu'on est dans un état qui est tout de même relativement proche du postmodernisme, au sens où il y a un très très grand éclectisme de la production esthétique, littéraire, et la volonté de ne pas juger, que tout est acceptable, tout a sa valeur. L'an dernier, c'était amusant, j'avais invité au Collège de France, à mon séminaire, Christian Boltanski. Donc il parlait de différents artistes, etc. Et il refusait absolument de se prononcer sur quiconque. Hein? Tout valait. Tout était un tour de l'humaine capacité ou quelque chose. Alors je savais bien qu'il avait ses préférences, mais il y avait un refus absolu de les exposer, hein, pour dire que chacun
avait son originalité, justement. Chacun avait son originalité, au sens, oui, d'une nouvelle combinatoire, comme je disais. Il n'y avait plus du tout l'idée d'axe. Mais, et ça, c'est tout de même un héritage de ce qu'on a appelé postmoderne. L'idée qu'il n'y a plus de récit. Plus de récit, plus d'axe. Oui, oui. Tout a sa valeur. Et je crois que c'est un peu la même chose en littérature. Aucun ne se prononcera sur les écrivains. Tandis qu'il faudrait établir, comment dire, une nouvelle hiérarchie, non, de valeurs, même dans la littérature. Vous pensez pas Je crois qu'il y en a pas aujourd'hui. Ah non, aujourd'hui, non. Mais comment dire, je pense que qu'il faudrait, comment dire, oui, le faire. De reconnaître là, comment dire, mais là des facteurs d'innovation majeure, oui. ou pas, comment dire, oui, dans une littérature, voilà, qui reste d'entretien, une littérature qui est totalement différente, parce qu'effectivement c'est un peu l'enjeu peut-être aujourd'hui de la littérature, de ne pas se faire dépasser par d'autres moyens d'expression. Mais c'est vrai. Et pourquoi, selon vous, comment dire, il y a toujours cet facteur d'innovation malgré soi? Effectivement, vous... Oui, j'ai toujours soutenu cette thèse que les grands artistes ou les grands écrivains, elles étaient un peu malgré eux. Oui. Malgré eux. Je pense à Baudelaire. Baudelaire ne voulait pas être un artiste maudit. Baudelaire voulait être de l'Académie française en 1862. Proust voulait être de l'Académie française, voulait avoir la Légion d'honneur. Il ne voulait pas être des accélérateurs d'innovation, comme on le dit. Baudelaire et Flaubert ne voulaient pas les procès qu'ils ont subis. Tout ça était d'une certaine façon malgré eux. Non, parce qu'en revanche, il y a des novateurs qui se réclament d'être des novateurs. Oui. Les avant-gardes. Oui, mais c'est souvent ceux qu'on oublie. La plupart du temps, c'est ceux qu'on oublie. Les novateurs, les novateurs enthousiastes, c'était la thèse de mon livre qui s'appelle Les Antimodernes, où j'essayais de montrer que chez tous les modernes authentique, il y avait une pulsion de résistance à la modernité. C'était ça la thèse du livre. Un moderne authentique, c'est un moderne qui est lucide sur les regrets que donne tout progrès. C'est ça. Un moderne authentique est conscient des regrets que provoque tout progrès. Et c'est ça qu'on a chez Baudelaire, c'est ça qu'on a chez Manet, c'est ça qu'on a... Voilà, chez Proust. Donc c'est pour ça qu'ils sont un peu malgré eux, modernes. Ils en étaient conscients, en tout cas, d'être des novateurs. Conscients, oui. Pas content, peut-être. Pas complètement. Pas complètement. Pas complètement. Et en revanche, on pourrait dire que les modernes vraiment enthousiastes de la modernité, dupes de la modernité, c'est un peu ceux qu'on oublie. Oui, parce que ce sont eux qui se sont, comment dire... Se sont brûlés. Oui. Ou qui peut-être ont eu, un rapport à l'actualité d'adéquation. Oui. Pas justement de résistance. De résistance, de critique. Se non ci sono altre domande, possiamo concludere qui il nostro primo incontro e abbiamo appuntamento per il prossimo, che sarà domani mattina alle 10 nell'aula 1 su Roland Barthes e la Commode. Grazie a Antoine Compagnie.